Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. La petite vidéo que vous nous avez demandé pour M21, que vous nous avez demandé à chaque extension, Il est bourré. Ikoria, il est bourré. Ordinateur. Ikoria a pas pu le faire. On était à distance, c'était compliqué, des confinements, etc. Et là, par contre, on est quand même à distance, mais on l'a fait pour M21. Du coup, bon, on ne sera pas côte à côte forcément pour enregistrer ces petits openings de booster dont on va expliquer les détails juste après. Mais ça va quand même être une régalade. Donc c'est moi qui vais ouvrir tous les boosters, les miens par lesquels on va commencer, puis ceux de Val. Mais on va quand même faire un petit challenge, n'est-ce pas? Qu'on va vous expliquer juste après. Si vous voulez nous soutenir, il y a la petite page YouTube dans la description. Vous pouvez regarder une pub de quelques secondes gratuitement et nous, ça nous soutient. Sinon, il y a le code VALEPL2020 sur la boutique Magic Bazar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne l'accès, du coup, quand vous l'utilisez, à 50% de points fidélité supplémentaires par rapport au montant de votre panier. Le système de fidélité, c'est 1 € dépensé dans la boutique égale 1 point. Au bout de 150 points, vous avez 5 € de bon d'achat valable sur l'entièreté de la boutique, voilà, pour vous régaler un maximum. Et si vous utilisez notre code, du coup, 1 € égale 1,5 points. Donc ça va quand même plutôt plus vite, utilisable avec n'importe quel montant du panier. Une seule fois par contre. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent. Ça nous soutient. Merci beaucoup. Code créateur MagicArena.fr sur la boutique Epic Game Store. Voilà. Du coup, on va ouvrir des Let's petits go. boosters. On a choisi le chiffre de 60 parce qu'à chaque fois, on a 50 plus un petit peu de boosters par-ci, par-là. Tapez le code Play M21 dans la boutique que je vous montrerai juste après parce que moi, je l'ai déjà fait sur mon compte pour avoir des petits boostas supplémentaires qui régalent. Vous avez 3 boosters et vous pouvez faire ça avec toutes les éditions si vous êtes nouveau joueur et que vous ne connaissez pas. Play, le nom de l'extension, donc Play Ravnica, Play Allegiance, Play M20, Play M21, Play Eldraine, Play Ikoria, Play Theros. Voilà, vous faites avec toutes les extensions, vous avez 3 boosters de chaque et ça vous régale. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui ne savaient pas ça et qui du coup vont aller Qui taper sont. tout et qui vont être juste Waouh! ralasses, quoi. Genre, Ah, ils c'est vont être Noël avant l'heure, rincés, quoi. ils vont avoir une vingtaine de boosters dans la gratuité la plus totale. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Quand on vous dit que Magic Arena est un jeu généreux, eh ben, c'est vrai, il l'est. C'est un free-to-play qui récompense bien juste le temps de jeu et pas forcément l'investissement. Exact. Donc franchement, la régalade jusqu'au bout, quelque part. Les Effectivement. règles de cet opening de booster sont les suivantes. Donc 60 boosters chacun pour cette édition 2021. À chaque fois qu'on ouvre une rare wildcard, c'est 1 point. À chaque fois qu'on ouvre une mythique, c'est 2 points. À chaque fois qu'on ouvre une mythique wildcard, c'est 3 points. Et chaque fois qu'on ouvre la carte bonus, la carte choisie par nos soins de l'extension, on gagne 5 points. Généralement, c'est ça qui fait la différence, mais on peut chacun l'ouvrir ou chacun ne pas l'ouvrir. Et du coup, bah là, ça se joue à la chatte. Pour ça, je joue toujours à la Ça chatte. se joue à la chatte. Mais de toute façon, l'ouverture de la carte bonus, c'est la chatte. Et cette fois-ci, la carte bonus, c'est le sanctuaire. Pas du tout. Pas du tout. Faux. C'est Ugin, l'esprit dragon, le maître des esprits, le maître des dragons, le Ouais. frère de Bolas. Voilà, celui qui, entre nous deux, aura ouvert un Ugin, je pense, pourra plus ou moins remporter le duel. Ou Ouais, alors, faut Ugin qu'un qui régale. mec ouvre un Ugin et que l'autre, il ouvre genre 3-4 mythiques wildcards de plus. Ouais, donc c'est assez compliqué. Les rares et mythiques wildcards qu'on va gagner avec la petite roue, vous voyez, qui tourne en haut au-dessus de moi, on ne les compte pas parce qu'en fait, on va normalement tous les deux gagner à peu près les mêmes. Donc ça ne sert à rien de les compter. Et pourquoi Ugin n'est pas Teferi? Bah parce que Ugin s'annonce déjà comme un classique, j'ai envie de dire, comme le boss un Exactement. petit peu de l'extension. Même si Teferi est vraiment très cool, en plus l'extension est centrée autour de Teferi, il est sur la carte et tout. Mais on s'est dit que Ugin c'est vraiment. C'est fou quoi. Il fallait faire un choix, tout Voilà, simplement. après, si je vois pas d'Ugin, on peut considérer que Teferi c'est quand même 3 points, tu vois, au lieu de 2. Non? Non. Non. Écoute, Tu veux? je t'aurais proposé. Tu veux passer Teferi comme une mythique wildcard? Ah, peut-être qu'on peut mettre Teferi en Mythic Wildcard, tu vois. Allez, vas-y, Mais ok, que pour ça marche. moi. Je croyais que ta proposition, c'était en mode seulement si moi j'ouvre un Teferi, ça vaut Oui, 3 points. c'était ma J'étais en mode. proposition. Mais Ah, c'est pas grave. Je suis vas-y. prêt à partager ces points bonus, tu vois. Allez, c'est parti. Ok, et du coup, est-ce qu'on part pas? Genre, juste tout de Eh ben, suite. vas-y, c'est parti. Fais chauffer les boosters. Du coup, vous aurez bien compris, c'est PL qui ouvrira aussi mes boosters. J'espère qu'il ne va pas me marabouter. J'ai perdu le dernier duel et je compte bien gagner celui-ci. En ouvrant, je colle dès maintenant 2 Ugin. Oh là là, ce sera incroyable ça de Higgin. On commence Ça par un part sur un petit booster de chauffe, hein. On un joue petit tout droit booster chez ouais. PL. Avec des bonnes unco déjà dans ce booster.
Jolerail, Je tiens les comptes. Recluse. Oui. J'ai pas Ah, entendu ce que tu as dit. je tiens les comptes. Ah oui, Je ouais, suis prêt. c'est Vol qui tient les comptes. Donc s'il veut tricher, eh ben il peut. Mais vous à la maison, vous savez. Et ce token chat est juste formidable par contre. J'avais pas vu, c'est toute beauté. Formidable. Ah c'est formidable. Allez, ça dégage. Nous, on veut pas voir ça. On veut voir de la wildcard. Oh, on avait dit quoi sur le 5 points. sanctuaire du grand tour? 5 points. 5 points, mais qui partent tout de suite en fait. La meilleure Ah carte là de là. l'extension. On a les petits boosters, tranquillou, double vision. Si sur les 5 premiers boosters, il n'y a pas une dinguerie, c'est quand même dommage, mais bon. Sur l'histoire des sanctuaires, c'est Ouais. fou comme tu passes entre les mailles des filets quand même, PL, parce que tous les commentaires sur les réseaux sur notre deck Shrine, c'est en mode Oh Val, il voulait pas le jouer, il est en PLS. Les gars, je vais le rappeler devant toute la France, là, tous ceux qui nous regardent. On était deux à pas vouloir jouer ce deck, ok? Effectivement. Mais moi, c'était pas que je voulais pas, tu vois. Si, C'était, si, si. je pense qu'en fait, ce sera nul et qu'on perd du temps. Du coup, je ne veux pas jouer Shrine. Ah ben oui, Sauf mais que, c'était exactement pareil, hein, ce que je si, pensais. si. Non, non, toi, je pense que tu ne voulais pas de ta vie, tu vois, jouer des Que decks ça Shrine. marche, je ne voulais pas que ça Tu marche, voulais je pas que voulais ça refuser marche. cette idée-là. Bon, Bon, pour l'instant, c'est une ouverture moelleuse, hein. une fournée dégueulasse hein, sur ces 10 premiers boosters. Mais après, d'habitude, on fait à 50, là, on l'a fait à 60. C'est finalement les 10. Mais c'est incroyable ça comme dessin. On dirait qu'il a Oui. des cheveux. Par contre, c'est incroyable que tu aies réussi à faire 0 points en 10 boosters. 0 points en 10 boosters, sauf que là, tu vois, j'en ouvre 10 et c'est pas la même Là, limonade. c'est la régalade. Alors, attends que je compte. Un précepteur sinistre. Elle est pas mal là. Bam. Une mythique wildcard. Bam. Une rare wildcard. Bam. Et c'est C'est tout. tout. Pas fou en fait, finalement. Ça va. C'est une ouverture de 10 boosters normale, je trouve. Ah, voilà. Solide. Merci, il y a petite erreur Ça de y est, pique qui ça fait monte, ça plaisir. monte. Si j'ouvrais de la merde là dans le booster, je me serais dit, bon, celle-là, je te la concède. Allez, on en reprend 60, Allez, on allez, refait. on passe à autre chose, on va tourner notre vidéo, c'est bon, Val, 1-0, let's go. Je ne m'avouerai pas vaincu si facilement, vous vous en doutez bien. Ok. Oh, ça devrait valoir un point, une sublime épiphanie. Par contre, les cartes sont bien, tu vois. Non, ça non. Ah, Mais c'est en bien ça. général, les cartes étaient pas mal. Ah, fais un effort, dis donc. Et je donne tout, voilà. Je donne tout, tout, tout. Est-ce que tu peux faire le plus petit score jamais enregistré? 8. Bravo. Eh, écoute, là tu l'as déjà. Non, t'es à 8 là actuellement. Je suis à T'es 8. pile à Bah 8. écoute, si je continue à ouvrir de la merde, on va rester sur 8. Ah, petite mythique quand même. Ah, super! Une mythique bien pourrie. Ça ira dans mon big raid avec ma terreur d'épique. Ça reste une mythique. Ça reste une mythique. Heureusement qu'on value pas les cartes en fonction de leur jouabilité. Enfin, heureusement ou pas, je ne sais pas. Hop, elle en ouvre Non, oui. 10. Je suis heureusement, je pense. En tout cas, sur cette mythique. Ok. Une mythique Une wildcard. mythique wildcard, une rare Une rare. wildcard. Et Et tout. c'est tout. Ok. Bon. Bah, rien qui est une bonne C'est. carte. C'est faible. C'est très faible. C'est pas haut, hein. Je te dis, moi, je vais ouvrir double gain. Forcément, on est sur une asymétrie, là, dans la chance. Ah là, si j'ai un Ugin, je peux me battre. Si j'ai pas Ouais. d'Ugin, c'est vraiment dur. Genre vraiment. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment très dur. Où sont passés les mythiques? Voilà. Je ne sais pas. J'en doute. Ah! Il y en a une Oh, là, super! Mangara. C'est pas ce qu'on cherche, mais. Non, c'est pas. On prend. C'est une belle carte. Je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est une belle carte. C'est une belle Tu vois, carte. elle a une belle Oh! âme. Planétaire mécanique chromatique. Il y a de la mythique. Il y en Il y a. a de la mythique. Ça Et on monte un l'ouvre peu, ça 10. monte un peu. Oh putain, ça y est, il est parti. Là, je te prédis une très belle ouverture. Oh non, que de mythique. Putain! Y a quoi? Il y a juste une mythique. Il y C'est en a quoi deux. cette ouverture pourrie, Il y a quoi? Basriket Ah et oui, il y a Kid'Emus. Basriquette, pardon. C'est pas Attention. une rare, Basriquette? C'est une rare, mais elle est vraiment rare, tu vois. Ouais, elle est rare, mais bien rougeâtre le signe. Ouais. Eh ben écoute, j'avais envie de dire solide, mais non. Sur le coup, Par contre, t'as mes quatre yeux voir la se. vérité. Ah, je dois avoir 4 voir la vérité. Ouais. Et ça, c'est beau, ça. Aïe, 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 aïe. Ah, ça sent le roussi. Eh, c'est pas. Ah, 5 points. Si c'était 5 points, tu serais pas si mal. Ah, je serais royal même. Ah, tu vas nous faire un petit tugin là sur les derniers. Tu vas nous faire un petit Putain, tugin. même un petit Teferi, je prends là. Tu nous fais pas un petit tugin ici, tu nous en fais un petit tugin sur la dernière. Je te le dis. Ah, rare wildcard. Pas Oh, le mal, pas cabot mal. turbulent.
Ah, je sens que c'est de Là, la c'est un merde, petit là. peu clean, les gars. Je te mets les 5 points d'avance. Je regarde Va pas. falloir bien cliquer. Hein. Ah, j'entendais Ah, que c'était pas une mythique. putain. Écoute, je te compte ça en vitesse, là. Ah bah oui, je peux le faire de tête. Je vais compter jusqu'à 10. Plus 3, 9 plus 14, 23 points. Oh, 23 points. Je m'attendais à vraiment plus bas. C'est vraiment Ouais, bon, la norme dégueulasse. c'est plus 35-37, donc Ouais, donc c'est vraiment dégueulasse comme opening. Mais, il n'y a pas de mais, c'est juste dégueulasse. Voilà. c'est juste en 60 boosters, c'est bien dégueu. Par Non, contre, j'ai eu beaucoup de 37, c'est mythiques. peut-être un peu beaucoup. Je crois que c'était plutôt une 33 points en 33, 50. ouais. Ouais. Bah ouais, bah rip. Bah écoute, collection à ton compte et puis ouverture de tes 60. J'espère Ouais. pour toi que ce sera des bonnes cartes. J'espère pour moi que tu vas ouvrir de la merde. Voilà. Oui, après Je le j'ai pas dis. encore gagné, hein, cela dit. Attention, il faut faire 23 points quand même. Mais je Après pense double que. double, c'est la moitié de tes points. C'est quoi? Je vais te dire un truc. Hein. Dans les 30 Ouais. premiers boosters, tu m'auras quasiment rattrapé. Ok, vas-y, c'est Je te le cote. dis. Ah, je te le dis. Allez, Ah, te c'est le dis. parti. Re, du coup, j'en profite pour vous montrer le petit code Play M21 que vous tapez directement dans la boutique, dans l'onglet, donc le petit truc de recherche en haut à droite, enfin qui n'est pas un truc de recherche. Le code a bien été utilisé, et voilà. Oh. 3 boosters M21 qui régale. Et du coup. Du coup, on récapépète. Tu as fait 23 points sur ton ouverture. Il faut que je fasse plus pour te battre. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Tu as call que sur les 30 premiers boosters, je battais tes 23 points. Si tu as raison, je te rajoute 2 points. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est comme ça que ça Mais se passe. du coup, tu me rajoutes 2 points, mais j'aurais quand même perdu. Oui, bah quand Donc, même. Grand seigneur, mais pas mais pas trop. roi non plus. Mais pas Pas con non roi non plus. plus. Pas con non plus. Effectivement. Et tu me dis du coup, dès que j'ouvre 10. Ouais. Parce que c'est toi qui Parce que décides. c'est genre en mode, ouais, si t'as raison, je te rajoute 35 points, comme ça je perds. T'es chaud? Ouais, mais ça, c'est le mec, il allait gagner et il dit, ouais, je concède, c'est bon. Tu vois. Est-ce que je Ouais, je commence pourrais pas par. la jouer la prochaine, j'ai un train à prendre. Ouais, voilà, je te laisse continuer le tournoi. Je commence par 1 ou par 10? Par 10. Oh, par 10, je le sentais, tu vois, je me suis dit,10. lui, il en veut 10, Directos. lui. Et on a une mythique, une rare wildcard, c'est un 10 gentil. C'est un 10 de merde, on va pas se Ouais, mentir. un 10 de merde, on peut le dire également. Allez, un petit booster là. Allez, un petit C'est vrai booster. que j'ai peut-être pas fait chauffer le moteur avant d'envoyer le gaz. Alors, ou alors t'as dégrossi, tu vois. Parce que moi, les 10 premières, c'est 10 rares, hein. Donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, j'ai pris un peu d'avance. Bon, on a Déjà, dit t'es deux bon. Ugin hein, pour mon ouverture, c'est mon call. Ouais. On n'y est pas encore. Ah là là, le suspense. Oh, basse Ah. riquette. Bah écoute, tu es très bien en 13 cartes là déjà. Applique-toi un peu là, je vois que ça clique de manière frénétique. Ah ok, Ça clique sans l'envie d'avoir de la bonne carte, je le sens. Ah bah en même temps, ai-je envie, tu vois, finalement. En vrai, je préférais que t'aies moins de cartes, mais plus qualitatives. J'ai plus Tu vois. qualitatif, comme ça je perds le duel, mais je me suis régalé quand même. Exactement. Parce que le but, Ah, c'est à bon. terme, en fait, bon là, c'est de gagner. Mais le vrai but, c'est Oui, c'est d'ouvrir de la d'avoir des bonne bonnes. carte. Parce que si tu ouvres que deux mythiques, mais c'est deux Ugin, comme tu dis, bah t'es royal. Alors que Je suis moi, royal. avec ma chromatique horrorie, ma gif du massacre, bah, je m'en cague, quoi. Et tu peux jouer en EDH, mais c'est pas le bon soft. C'est pas le bon soft. Je vais situer. Oh, basse riquette encore, bah t'es bien là. Bah, Si tu voulais jouer écoutez, une vague blanche. donnez-moi tous les basses riquettes. Vas-y, encore un petit. Hein. Franchement, pas mal. Bah, je crois que j'en ai eu un ou deux aussi. Basse riquette. Oh, Mythic Wildcard. Oh, Oh, elle est solide. bonne Et là, cette tu pars opening. en 10. Là, tu pars Ouais. en 10, ça c'est un call. Quand la C'était mythique sûr. wildcard, elle pointe le bout de son nez, c'est qu'il faut y aller. Oh, bah, juste une mythique en fait. Ah putain, ouais, c'est plus que c'était les 10 boosters. Avant, il y avait un Ouais. code, un cheat code sur les 10 boosters. C'est plus que Effectivement. c'était, je vous le dis. Où en es-tu déjà là? À mi-parcours là. On est à C'est pas 30 très boosters. bien. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 12 points. 12 points. Attends, là c'est le 30e booster. Je t'ai pas rattrapé. 14 points. Il te reste plus que 14 points. 9 points à faire en 30 boosters, sachant que t'as déjà fait 14. Donc ma prédiction était nulle à chier encore, comme en ouverture, mais tu es dans un. Ah bah là! Tu es en de bonne voie. C'est encore possible, cela dit, hein, que ta prédiction soit bonne. Ah mais Non. non, c'est bon, les 30 boosters sont ouverts. Non, parce que pour ma tête, dans ma tête, il en restait encore 10. Non mais je dis nimp. Non mais Le m'écoutez pas, mec. les gars, je suis con. Et ça, c'est le Non, non. sanctuaire de mes dents.
C'est le sanctuaire des crocs de. Oui, c'est vrai. C'est moi. Il C'est est vrai, Pierre. c'est toi. Ouais, c'est pas Oui, il y avait mal. un couchant Par contre, tu truffier. regardes tous les planeswalkers fatigués du set ou. Non, t'as pas encore de Liliana, je crois. Ah, mais avec Ah, ta préco, d'accord. tu l'as eu. Donc, si, c'est bon. Ah. Baneslayer. Merci d'avoir double Ben Slayer, c'est bien. Ah, oui, c'est bien. Il y a des Oh, oui. mythiques mieux en double, hein, mais. Celle-là, elle est bien. Oh, le chien de garde alpin, qu'il est beau. Il est joli, on dirait Beethoven. Le Masticor. Masticor qui a été un problème lors de la paix. On ne savait comment contrer cette carte. On va quand même gagner, c'est ça qui est étonnant. On va quand même gagner, parce qu'on est fort, mais. Ah, je suis content d'ouvrir des petites radas, j'aime bien. Une bonne carte. Oui, Et une belle carte. après les petites rares, voilà, 43 rare wildcard, Oui, ça va tu aller, pouvais aller chercher. Bah, en on n'est pas en fait, galère. ce qui est bien quand il n'y a pas de nouveau land, c'est qu'au moins tu économises 20 rares wildcard par Oui, extension. Et ça fait il quand est même vrai. plaisir. Bah, justement, on Oh! parlait de rares wildcard, la voici, la Mais tu sais voilà. que j'ai l'impression qu'ils ont nerfé. Ils ont nerfé l'ouverture, c'est pas possible là, parce que la mienne, elle est pas forcément plus reluisante que Ouais, la tienne là. dites-nous dans les commentaires si vous ouvrez des dingueries avec vos boosters. Est-ce que c'est pas le moment de faire un 10 là? Non, pas encore. Mets-en encore une ou deux. Je te dis, moi, il faut que j'ai une petite mythique là pour me lancer, tu vois. Il faut un appel, ouais, je comprends. Il faut un petit appel. Jolraël, ouais, tu vois, ça c'est de la merde, Jolraël, là, ça me fait plaisir que tu l'ouvres. ça m'appelle pas, tu vois. Quoique non, c'est même pas de la merde, c'est joué, déjà, dans des petits decks. Ouais. Y a pas beaucoup de Je fais mauvaises pas cartes, encore un vraiment. appel, c'est pas loin ça. Hein. Ça pourrait me motiver au 10 booster, mais. Ça me motive pas du tout. Pas du tout. J'ai C'est failli partir fou. sur un 10, tu vois, genre, oh, c'est le moment. Après celui-là, tu pars sur un 10. Ah Oh! ouais, c'est pas grave. Soubira, Caravanière des Tulzidi, la carte décollée Magic Seshik. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis un point sur ma feuille que j'ai envie de me taper le cul par terre. Une mythique wildcard qui est pas mal, mais c'est tout. On est à combien de points, Val? Gros, c'est dramatique, je suis pas devant toi. Hein. T'es à combien là? Tu veux que je te dise? Je suis Ouais. à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 4. Je suis à 20 points. 20 points et j'ai fait 23. Donc tu peux tout à fait revenir devant. Ah, mais je peux te Mais. battre, mais c'est-à-dire que c'est deux bras cassés qui se sont battus, quoi. Ouais. J'allais citer un combat de manga. Parce que dans tous les mangas, il y a un combat qui se finit comme ça où les mecs sont rincés. Mais là, j'en ai pas en tête. Oh Ça, bah, Sasuke Naruto Naruto Sasuke. avec la fin. Ouais. Ouais, un peu ça. Exactement. Bah, Attention, vas-y, je. un petit booster là. Est-ce qu'on finit sur les 10 derniers d'un coup ou pas? On va finir sur le 10, ouais. Ah là 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 là. Oh, double vision, tu sais ce que ça veut dire ça? Non. Non. Petit fun fact, avant d'ouvrir les 10, et là les gens font, oh non, qu'est-ce qu'il me dit encore? Ferme-la, ouvre les boosters. Je vais le raconter quand même. Il y a deux joueurs MPL qui se ressemblent quand même pas mal, qui sont Mike Sigrist et Brad Nelson. Et Ouais. Brad Nelson, quand cette carte a été révélée au début des reveals, a dit je me sens presque offensé que Wizard nous ait pas donné à Mike Sigrist et à moi-même cette carte-là pour la révéler en même temps. C'est vrai que ça aurait été trop Ça drôle. aurait été très rigolo, puisque voilà, souvent on les confond des fois dans les vestiaires pour ils les appellent pour aller jouer leur game et ils se trompent de gens et c'est ah non merde, c'est Brad alors que nous on cherchait Mike. Donc voilà. Alors qu'en vrai, quand tu fais très attention, ils se ressemblent pas, tu vois. Ouais, mais sur le coup, Mais sur le coup, ouais. t'es. Maillot MPL en plus fait que tous les deux Ah même déjà, t-shirt Mike, donc il a souvent une casquette. Donc, tu vois, il fait ça un aide. effort déjà pour se différencier. Mais à leur place, c'est que je fais tout le temps des pranks, c'est genre je prête ma casquette, Je mets les on lunettes change de de Brad. t-shirt et tout, tu mets les lunettes, ouais, enfin tu fais des dingueries quoi. Est-ce qu'on ouvre les 10 Val? Alors, Ah, je peux pas. attends. Je tiens à préciser parce que le suspense est à son comble. Je suis à 20 points, tu es à 23 points. Si sur ces 10 boosters, je ne fais pas 3 points, et on sait que c'est possible, hein, C'est je possible. perds le duel Et on ne et peut j'aurais bien pas. regardé avec pour rien. Ouvrir 10. Ah si, c'est bon. Je peux. J'ouvre maintenant 10, là, voilà. Maintenant 10. C'est tout ou rien. C'est une égalité. Oh putain, c'est une égalité. C'est une égalité, c'est incroyable. Non, 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 mais ça s'arrête pas comme ça là. Comment on fait? On En va vrai, parier sur. est-ce qu'on peut pas juste dire que c'est une belle égalité? C'est une égalité de merde du coup. Tu sais quoi, on va faire comme dans les films où ça finit sur une égalité et on sait pas qui a gagné. Et en fait, la caméra se décale légèrement et elle montre qui était vraiment le vainqueur, mais c'est pas ça l'important, tu vois. Donc là, on va résoudre ce problème, savoir qui en fait est le vainqueur. Mais dans tous les cas, c'est une égalité. Ah bah oui, attends, je compte, je recompte, on sait jamais, tu vois. On Recompte sait bon. jamais. Hein. Hop là. 9. Ah ouais, non, ça fait 23, quoi. J'ai ouvert une wildcard mythique de plus que toi, mais j'ai Ouais. ouvert une mythique et une wildcard rare de moins.
Tout pile. C'est-à-dire que j'ai encore ouvert, quand même, j'ai quand même ouvert moins de quantité que toi. De rareté. Est-ce que ça se joue à la quantité, voilà. Ou est-ce que ça se joue à la qualité? Je ne sais pas, je ne sais pas. On n'a même pas ouvert un Huguin ou un Teferi pour se dire, bon, bah, t'as ouvert la carte bonus, tu vois. C'est quand même dramatique ce qui vient de se passer. Là, vous venez d'assister à un massacre. Voilà. Oh, qu'est-ce que... C'est un Je ne sais massacre. pas. Je ne sais pas. Moi, je te propose qu'on soit sur égalité, mais qu'on puisse se départager en achetant un petit booster et en faisant un call chacun sur ce booster. Il Ah, mais faut c'est call dur, la hein. rareté exacte. Ah, mais il y a genre 80% de chances que ce soit une rare, donc... À part rare. Oui, mais si c'est une rare, du coup. Tu ouvres des boosters jusqu'à ce que ça ne soit pas une rare et il faut que ça tombe sur l'une des deux raretés qu'on a choisies. Ok. L'une des trois raretés, du coup. Une des trois raretés. En gros, là, tu vas acheter, allez, une dizaine de boosters, comme ça on est sûr de tomber sur un truc outre. Ok. Et toi, tu colles rare wildcard, mythique ou mythique wildcard, tu choisis et moi, je colle un truc. Et bah, la première fois que la rareté diffère d'une rareté rare. 5. Fer, pardon. 5 fer, exactement. Merde, je sais plus où j'en suis. C'est un petit bonus, c'est pas grave, tu peux. Ah, je crois que pile à 10 là. Oh là là. Tu peux tout. Ah, sinon, on peut ouvrir 10 et essayer de colle la répartition. Ou c'est plus Ah, dur? le nombre de points. Le nombre de points sur les 10. Le nombre de points, ouais. Ça fait peu 10 quand même, hein, pour coller le nombre de points. Ouais, non, c'est peut-être un peu trop dur parce qu'on risque de chacun de pas tomber juste. Non, effectivement, Ah, mais ouvrir un c'est par celui qui un. sera le plus près. C'est ça qui est rigolo. Eh oui, mais on risque d'être, tu vois, je dis 2, tu dis 4, c'est 3, on est content encore. Ouais, mais c'est pas grave, ça finit vraiment sur une égalité. Prends-en donc 5 de plus et on fait ça. Ben non, je peux pas. C'est pour... En fait, le but, c'est d'ouvrir 10 d'un coup. Ah, bien Ah, oh là vu. là, la vidéo, elle se Vas-y, dit, mais fais qu'est-ce ton qui se call. passe? Ça va être drôle. Combien de points dans ces 10 boosters? Combien de points? Donc, on compte encore Teferi et Ugin dedans. Hein. Ah, bien sûr. Je vais dire. Moi, je dis. Que toi, tu le dis. Je vais compter qu'il va y avoir au moins une mythique. Donc, 2 points. Et une petite wildcard. Il faut être au plus proche. Donc. Logiquement, avec la moyenne de ce qu'on a ouvert en 10 cartes, c'était aux alentours de 3 à 4 points. Quel est Environ. ton call? Je vais dire 5 points, Val. Je vais dire 7 points. Waouh! Tu L'ambition. me laisses gagner? Ou t'as vraiment envie L'ambition. d'ouvrir des cartes? Est-ce qu'on est L'ambition. parti, Val? Allez, c'est parti. Ah! Il y a un Ugin là-dedans, c'est sûr. Oh de la merde! Putain, t'as gagné. 3 points. Ah, j'avais proposé l'égalité, hein. Mais le call de 7 points était ultra grid et je salue Mais la le cruauté call de 7 points, d'artiste. il prenait en compte un Ugin, tu vois. Ou en vrai, tu vois, Tef et une mythique wildcard, on était à 6 Eh points ouais, tu déjà. pouvais le faire. Putain, mais le jeu est cassé. Ah, je refuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait comme toutes les. Enfin, beaucoup de rares sont intéressantes. Ils se sont dit, bon, du coup, mythique, wildcard, hein. On coupe un peu les vannes, quoi. Eh ben, écoute, l'histoire se rappellera de l'égalité, mais les historiens se rappelleront de cette victoire. C'est vrai, félicitations. Mais Non, mais en vrai, félicitations quand à tu toi. commences par 23 points et que je suis pas capable mentalement de faire mieux, c'est une défaite. Ouais, parce qu'il y a le mec qui a fait un résultat nul, tu vois, donc les gens se Ouais. moquent. Et il y a le mec qui s'est moqué de ce gars-là, qui fait encore pire, Exactement. ou qui fait pas Et mieux. qui Et du coup, derrière fait pire. Ouais. là, on se moque encore plus de lui. Et finalement, C'est je passe pour dramatique. le héros. J'avais pignon sur rue. J'avais tout pour fermer un meilleur score et j'ai pas réussi. Et je prends cette défaite. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de d'images, d'allégories dans cette vidéo, et ça me fait plaisir. Genre vraiment, je fais quelques incrustes photos, je mets une musique un peu lofi. Vous dites waouh, c'est on venait sur une vidéo un petit peu talk docu, il se passe quelque chose, on apprend des choses dans cette vidéo, oui. Incroyable. Je vais pas le faire, Cette mais vidéo a imagine. brillé par l'absence d'Huguin. Enfin, accent, Huguin a brillé par son absence, vraiment. Effectivement. Bah après, ça confirme le fait qu'il soit très rare, hein, parce qu'on a ouvert 130 boosters et pas un Ugin. Du coup, on a eu un Huguin foil. Ni un Teferi. Brillant.
Du coup, effectivement. Mais c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite opening vous a plu avec un plot twist et tout, qui aura peut-être dans le titre, genre, oh mon Dieu! Oh là là. Ah! Vous vous rendez compte? On aurait pu ouvrir des boosters à l'infini, on aurait été toujours égalité. Ah Encore oui, une c'est fois, vrai. comme dans un film, dans un manga, enfin, la vie Putain, n'est que c'est vrai. manga, finalement. On vous Oui. fait des bisous. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, etc., dans la description, commentaires, pouces bleus, partage, abonnement. Oh là là, je vais inverser les termes, c'est fou, quoi. Dédicace à ceux qui sont encore là, alors que c'est la fin de la vidéo. Bisous à vous, vous êtes les meilleurs. Les Bisous. autres, vous êtes bons, mais vous, là, qui êtes encore là, vous êtes les meilleurs. Les top. Si vous voulez nous suivre sur Twitch, c'est dans la description également. Vous cliquez dessus, vous allez sur la page. Tout est bon. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle C'est de magie.